fait. Tout droit. D'accord. Hein, pas à gauche ni à droite, tout droit. Tout droit. Et vous serez sur le chemin, puis après on va vous rattraper. Vous serez sur le chemin qui longe la côte. Oui, c'est ça. Et on pourra faire une image au bord de la mer. C'est tellement simple, l'amour. Bonjour à tous. Bon, nous sommes partis de chez Philippe. Nous avons passé une soirée extraordinaire. Il y avait un copain à lui, Jean-Pierre, une amie aussi, Roselyne. On a passé vraiment une soirée d'échange, de rire, de partage d'expériences. C'était super. Nous avons bien dormi aussi, bien reposé. Et là, nous repartons donc. Marie-Noël nous a rejoints. Elle marche avec nous aujourd'hui. C'est grâce à elle d'ailleurs que nous avons pu être chez Philippe. Et là, ben, nous sommes filmés de loin en loin par Philippe et ça, pour sa télé TV Province. De manière à ce qu'il fasse la capsule. Hier, c'était une interview. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus tard. Tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien. Les enfants derrière. Ouais, attends, ouais. Essaie d'avoir le ciel. Approche-toi, approche-toi. Approche-toi, approche-toi, voilà. C'est très joli. Pour que l'amour, on saura se donner.
sera scivolò su di noi. All'uscita della scuola in città ci prendemmo per mano e ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via con un tamburo di latte e una scia e poi quel suono rimbalzò su di noi io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio sei tu. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te delle prime parole d'amore. Io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città e le nostre parole gelò. Io ti amo. Bonsoir à tous. Alors, après avoir dormi chez un journaliste, Philippe, de TV3 Province, il va nous faire donc de cette capsule, après nous avoir filmé ce matin, interviewé hier. Nous voici chez un ami donc de Philippe, Gassan, qui est artiste peintre reconnu. On peut le trouver d'ailleurs sur Internet. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai filmé sa galerie, tout ça, enfin, sa galerie, son atelier, là où il est, avec tous les tableaux. À l'église aussi, il a offert deux tableaux, tout en longueur. Il y a, je crois que c'est l'élévation et la naissance. Et nous sommes logés avec Francis chez lui ce soir. Là, je suis dans la chambre où je vais dormir. Nous allons manger tous ensemble. Il y aura Gassan, Philippe, Marie-Noël qui est là, elle est avec son petit camping-car, bien sûr Francis et puis moi. Voilà, nous allons manger ensemble ici, nous allons dormir après Francis et puis moi, chacun dans une chambre. Nous avons pris la douche, je vais terminer ma vidéo. J'espère que pour vous, les journées se passent super bien, parce que là, depuis quelque temps, c'est quelque chose de fabuleux ce que l'on vit, d'incroyable. Avec des personnes généreuses qui nous accueillent, qui c'est que du bonheur de faire ces rencontres-là. Ça nous aide à avancer, ça nous permet de faire toujours des étapes un peu plus loin, toujours un peu plus loin, toujours en avançant vers cette fin de boucle qui sera à Arles, cette fin de Tour de France. Je vais en profiter donc pour vous souhaiter une bonne soirée à tous, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Faire un petit peu qu'on parle un peu plus des cancers des enfants. Parce qu'on parle beaucoup du cancer de l'adulte, mais pas du cancer de l'enfant, comme si c'était un sujet tabou. Or, quand une famille est touchée par un cancer pour un enfant, il n'y a pas que l'enfant qui est touché, c'est toute la famille. Et quand c'est dur, quand c'est difficile, qu'il y a des moments où on voudrait peut-être abandonner, on se dit, ben non, nous on est en bonne santé, on peut marcher et on pense aux enfants qui sont là, sur leur lit, en train de subir une opération peut-être, en train de prendre la chimio, et ça, ça motive. La machine de guerre se met en route et on avance. Pour que ça n'existe plus. Pour que ça n'existe plus. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a écrit sur nos t-shirts, enfants sans cancer, c'est ce qu'on espère. C'est tout. Usci dai teatri, di fumo e rose coprì i nostri passi, che contammo di baci mai dati. Io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio.
te, da inquadro nada da ciò che non c'è, sorridendo penso ancora di te, che ti amo, tanto lontana non so se sarai, tanto vicino ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà. Sei tu.